Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signe astrologique, semaine du lundi 30 mai au vendredi 3 juin pour nos amis Taureau. Taureau, cette guidance est pour vous. N'hésitez pas à regarder vos signes solaires, lunaires pour avoir plus d'informations, de messages. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, petit message avec l'oracle des anges, déesse et dieu. Ensuite, deux cartes avec le téléma le normand. Et notre tirage avec le petit le normand, deux cartes professionnelles, de financières, de sentimentales et de relationnelles familiales. Voilà, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Voyons voir quel message vous avez à recevoir des anges, déesses et dieux pour votre semaine du 30 mai au 3 juin. La déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà et faites confiance à votre intuition. La déesse du savoir. Alors. Il y a environ 2500 ans, Platon, le grand philosophe grec, écrivait « Tout apprentissage n'est que du souvenir. Étudier est important, mais souvenez-vous aussi que tout ce que vous avez véritablement besoin de savoir est déjà en vous. La déesse du savoir est ici pour vous encourager à commencer à faire bon usage de tout ce merveilleux savoir que vous connaissez et que vous possédez déjà en vous. » Très joli message, ami taureau, la déesse du savoir. Bien, alors, voyons voir quelles sont les énergies principales pour vous taureaux qui allez vous accompagner, qui vont vous accompagner pour notre semaine du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022. Alors, quelles sont les deux énergies principales pour... le lundi 30 mai au vendredi 3 juin. Alors, une et deux. Voilà. Hop. Et elles sont choix, décision à prendre pour un voyage, pour un déplacement que vous allez devoir effectuer, que vous allez faire. On voit que vous êtes peut-être dans l'indécision, hein, où vous avez plusieurs choix qui vont se proposer à vous. Pour un déménagement, peut-être, un déplacement, un voyage, pour vous rendre quelque part. Voyez un petit peu comment ça vous parle, amis taureaux. Mais là, on est dans dans des énergies, on va dire, de mouvement. Ça bouge. Ça bouge. Oui, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre, hein, sur un déplacement. Hein. Peut-être aussi que vous allez devoir changer votre destination. Peut-être aussi que cette semaine, amis taureaux, plusieurs choix vont se proposer à vous également. Vous allez devoir en faire un. Alors, quels sont les messages à recevoir pour nos amis taureaux pour la semaine du lundi 30 mai au vendredi 3 juin? Semaine pour nos amis taureaux du lundi 30 mai au vendredi 3 juin. À la coupe, nous avons l'ours, bien, un patron, un banquier, une personne qui peut représenter les finances aussi, a un blocage, bien. Il y a quelque chose qui va être retardé, ça peut être sur le plan financier, on voit un retard, il y a beaucoup de discussions en tout cas. Hein. Quelque chose a été retardé, mais... il y a l'espoir qui est là, vous voyez. Il y a, oh, puis ça brille, il y a un succès, on va lever le voile, tout va bien. Il y a un franc succès. Alors, même si ça a été retardé ou ça va être retardé, il y a un franc succès. Il y a de la réussite. En tout cas,
sur du retard, les finances vont aller. Alors, deux professionnels, deux financières, deux sentimentales et deux relationnelles familiales. Vous entendez peut-être l'essorage de ma machine à laver, je m'en excuse d'avance, mais je ne peux pas aller l'éteindre. Alors, professionnel. Ah ah, il y a un terme. Il y a quelque chose qui prend fin, les amis. On est. Oh, bon. Alors, après, c'était peut-être un rêve. Hein. C'était un choix, d'ailleurs, sur quelque chose. C'est peut-être vous qui avez décidé de mettre un terme au niveau professionnel. On a quelque chose de tristouné, quand même, au niveau professionnel, là. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est sciemment? Est-ce que c'est vous qui l'arrêtez? J'ai envie de dire, c'est peut-être vous, et vous avez d'un seul coup, d'un seul, envie d'écouter votre intuition. Ça ne vous convient peut-être plus, hein. Où vous êtes, vous vous sentez peut-être pas bien, vous vous sentez mal. Pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas un renvoi, une démission? Voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a la fin de quelque chose professionnel, là, pour certaines personnes. Où ils arrêtent d'autres, leur activité, leur hobby, leur... que vous êtes en train de faire peut-être dans une association associativement aussi, vous arrêtez. Voilà. Alors, financièrement. Financièrement, amis taureaux, il y a un succès financier. Il y a... je vois du monde, hein, il va y avoir pas mal de... Peut-être, il y a eu des échanges. Des échanges. Mais en tout cas, il y a quelque chose de lumineux, de flamboyeux. Il y a un succès financier qui se présente à vous, là. Ou alors, il y a une nouvelle source de revenus aussi qui peut être en rapport avec... Si vous travaillez par Internet, par exemple, on voit une rentrée d'argent. Il y a une nouvelle source de revenus qui peut venir effectivement de par les connexions que vous faites. L'argent vient aussi peut-être de votre justement reconnaissance de travail. Alors, peut-être, vous voyez, c'est lié, je ne sais pas. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous mettez... Fin là, professionnellement pour certains, voulu ou subi. Hein. Mais là, on voit une rentrée d'argent, un certain succès qui a eu lieu pour certaines personnes en lien avec peut-être ou du télétravail ou un travail collectif par Internet. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, sentimentalement, il y a de l'amour, amis taureaux. Alors, ou pour vous, monsieur, ou pour un homme proche de vous qui est amoureux, il y a rien à dire parce que c'est très beau. Voilà, tout simplement. Alors là, on est en présence éventuellement d'un célibataire. Un célibataire, on peut dire que vous allez rencontrer l'amour cette semaine. Les couples, il semblerait que vous... il y a une très jolie romance là. Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'émotions cette semaine pour vous, sentimentalement, amis taureaux. Relationnel, il y a une fête, il y a du monde, il y a le jardin nous dit que c'est la société. Relationnellement, vous êtes entouré de personnes qui peuvent même être en rapport avec une structure officielle d'ailleurs. Pour d'autres, il y a peut-être comme une invitation, quelque chose que vous souhaitez, vous prenez de la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous isolez, vous n'avez peut-être pas envie de vous rendre à cette invitation, vous voyez comment ça vous parle. On peut voir aussi que éventuellement ça peut être lors d'un... vous êtes à plusieurs, relationnellement parlant, j'ai l'impression que c'est plus amical. J'ai l'impression quand même que vous êtes peut-être à un endroit où il y a beaucoup de monde autour de vous, et ça n'a pas l'air de trop vous convenir, vous vous isolez. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien vous rencontrez des gens qui ont un standing un petit peu élevé. Aussi, c'est ce qu'on peut voir. De niveau un peu élevé. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein? Bon, on va recouvrir tout ça. Ne pas oublier qu'à la base, les énergies étaient sur plusieurs choix qui se présentaient à vous. Il y avait bien un changement. Alors, professionnel, financier, sentimental et relationnel. Hop. Alors, professionnel, eh oui, on voit bien donc la fin, démission ou c'est vous qui, ou rupture de contrat.
On voit bien que de toute façon, c'est peut-être voulu, subi, quoi qu'il en soit, il y a un beau changement avec un succès. Ah, j'ai plutôt envie de dire que c'est démission, c'est voulu, hein. C'est peut-être un rêve que vous voulez réaliser. Et c'était peut-être trop lourd aussi, vous, voilà. Et il y a un beau changement qui se présente à vous, amis taureaux, dans le cadre professionnel ou de vos activités, ou de vos démarches, ou de vos hobbies, de ce que vous faites, de ce qui vous touche. Il y a la fin. Il y a un changement, il y a une amélioration avec un succès. Il y a un franc succès, mes amis. Là, on voit bien le changement, on voit bien la réussite, hein, quoi qu'il en soit. Donc, il y a bien la fin, on arrête. Hein. En tout cas, on le fait autrement. On le fait vraiment autrement. Alors, financièrement, là aussi, on coupe. Il y a il y a peut-être aussi des rentrées d'argent, on va dire, rapides, qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de discussions autour de ces transactions financières qui ont peut-être été faites justement par rapport à un travail acharné, un travail, comme je le disais tout à l'heure, par communication, genre Internet. Il y a beaucoup de communication en tout cas, hein. Peut y avoir des appels téléphoniques aussi. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais on voit que ça peut être rapide pour certaines personnes. C'est lumineux, hein. C'est vraiment c'est mis en avant. Quelque part, les temps difficiles sont, j'ai envie de dire, amis taureaux, sont finis, quoi. Alors, sentimentalement, attention au conflit. Attention à la jalousie. Alors, pour nos amis célibataires, là il y aura une rencontre, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais basée uniquement sur le sexuel. Rien de bien, malheureusement. Ça peut être une personne plus âgée que vous d'ailleurs. Rien, ou c'est peut-être voulu, je dis malheureusement. Ce sera vraiment basé sur le superficiel. Pour les couples, attention, on va peut-être se disputer à cause justement du sexe, à cause. Voilà, d'une certaine violence pour certaines personnes aussi, ça peut arriver. Bien entendu, il faut se rapprocher de personnes compétentes, hein, si c'est le cas. La personne a l'air d'être plus âgée que vous, autour de vous. Il y a une certaine tension, une certaine dispute, hein. Je vais en remettre une. Pourquoi? Alors, ça, pourtant, alors, ça ne va pas durer, j'ai envie de dire, parce que là, on a quand même du bonheur, on a une surprise, on a une fin heureuse. Est-ce qu'il y a une certaine tension, justement, à cause d'une certaine surprise qui va se produire sentimentalement, à cause d'une invitation, peut-être, qui a du mal à passer, c'est ce qu'on peut voir aussi. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous, hein. Mais pour certaines personnes, je vais dire, ça ne va pas durer, parce que vraiment... on voit que le bonheur est là, l'amour est là, il y a des moments de joie, il y a du partage. Mais effectivement, j'ai quand même le sentiment que c'est peut-être en rapport avec une invitation. Voyez un petit peu comment ça, dites-moi un petit peu si ça vous parle. Il y a une surprise à l'origine, hein. Alors, j'ai l'impression. Mais ben, on voit qu'il y a quand même de la tension autour de cette surprise. Alors, relationnel. Relationnel. Alors, effectivement, il y a du changement. Il y a une certaine distance. Vous prenez de la distance, hein, par rapport à du monde, par rapport à une communauté, peut-être trop de personnes autour de vous. On voyait que certaines personnes s'isolaient, hein, se renfermaient sur elles-mêmes. Eh bien, vous avez peut-être décidé... En fait, relationnellement parlant, de prendre du temps pour vous, peut-être, et de vous isoler, de vous éloigner, je veux dire, pardon, de vous éloigner pour retrouver une certaine tranquillité, vous voyez, une certaine paix, un certain bien-être. Peut-être que ça ne vous convient plus, hein, d'être comme ça avec du monde autour de vous. Peut-être que vous avez envie de passer à autre chose aussi, hein. J'ai l'impression qu'il y a un changement relationnel aussi concernant peut-être des personnes, tout simplement, également.
certaines personnes relationnellement peuvent faire aussi un voyage de santé, style joie du monde, là. Style, vous voyez, cure de santé. Avec l'âme, c'est ce que ça me fait penser. Cure de bien-être. Voyez un petit peu comment, si ça vous parle. Dites-moi un peu, les amis. Voilà, mes taureaux, ce que l'on peut voir pour votre semaine. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire un petit peu si ça vous parle, si ça vous aide surtout, hein, c'est un peu le but. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des pouces, j'aime, ça booste la chaîne. Et c'est grâce à vous si elle grandit. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.